Salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour la vidéo du jeu qui sort aujourd'hui, le 21 février 2013. Mais bon, voilà, le temps que la vidéo soit synchronisée, j'ai peur qu'elle ne vous arrive que le lendemain de sa sortie, soit vendredi. Désolé, je m'y prends un peu tard, je n'ai pas eu trop le temps en fait. J'avais reçu le jeu mercredi, mais bon, voilà, quelques petits contretemps m'ont empêché de faire l'enregistrement de la vidéo pour pouvoir le poster à la date D, voilà. Veuillez m'excuser pour ce petit désagrément. Enfin bon. Donc voilà, Crysis 3, un jeu qui est édité par Electronic Arts, développé par Crytek. C'est le troisième volet de la série. Il sort sur PlayStation 3, Xbox et PC. Et à première vue, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu graphiquement enfin, assez beau. Déjà parce que bon, c'est un Crysis tout simplement. La guerre a commencé. À savoir que, parlons plus en détail du jeu, il se passe en 2047, si j'ai bien compris. Cela se déroule à New York. Et ça, c'est la première mission du jeu. Donc on a l'habitude, pardon, si vous avez joué aux deux, de diriger le soldat Alcatraz prenant la nano-combinaison du soldat Prophète que l'on a eu. L'honneur de rencontrer dans le volet 1 et 2, quand on dirigeait Nomade dans le 1 et quand on dirige Alcatraz dans le 2. Là, je dirige actuellement voilà, Prophète dans cette première mission, et la personne qui est à côté de moi, c'est Psycho, l'autre personne qui devrait normalement être dans une nano-combinaison. Bon, là, il ne l'est pas. Voilà, c'est la toute première mission du jeu. J'ai lu 2-3 choses dessus, c'est pour ça que je peux le dire. Donc je suppose, pour l'instant, voilà, je suis vraiment qu'au début. Je ne suis pas encore au moment où est-ce que l'on va diriger Alcatraz. Je sais qu'on le dirige, mais là, si j'ai bien compris, nous dirigeons Prophète. Donc voilà, on va faire un pseudo-bond dans le passé. Nos ennemis font partie d'une force paramilitaire appelée les SEL. SE2L. Bon, après, voilà, je ne peux pas trop en parler en détail car, enfin, vous savez, je viens de faire select là justement parce qu'on me le dit. Voilà, parce que autant vous parler des points forts du jeu, vous savez très bien que la modification des armes et accessoires, c'est un point décisif de Crysis. On peut mettre tout ce qu'on veut sur une arme, c'est assez varié, c'est assez sympa selon les différents types de situations. Et ça, le viseur laser, c'est dégueulasse. Donc je vais le changer, j'enlève juste ce petit bug parce qu'il marchait sur la caisse. Enfin bon, voilà, c'est mieux d'avoir la mira. Donc voilà, toujours voilà les points forts de ce jeu. La nano-combinaison qui nous permet d'être invisible. Voilà, il faut que j'appuie sur R2 pour être invisible et R3 pour un frappe furtif. Voilà, 30%. La carotide, bien. Nous pouvons prendre donc du coup les armes des adversaires en appuyant sur carré et ensuite les modifier. Donc voilà, triangle pour changer le canon, la lunette avec rond et carré, les différents types de munitions. La nano-combinaison dans laquelle est Prophète nous offre de l'armure, une force surhumaine, une rapidité sans égale, et la nanovision que vous avez vue précédemment quand j'ai fait la touche du haut. Je vais la réactiver, manière de voir si j'y vois quelque chose. Mais en fait, c'est vraiment dégueulasse. Si moi j'y vois rien, alors vous, dans la vidéo test, vous allez rien voir du tout. Bon, enfin voilà, Crysis, c'est un gros jeu bourrin, donc hein, écoutez, hein, moi je suis pas là pour faire dans la dentelle. Vous savez très bien que moi, la discrétion, c'est pas trop mon fort. Je vais continuer le jeu comme ça, voilà. Enfin bon. Donc, comme je vous ai dit, gros point du jeu, le changement d'équipement, profiter d'une combinaison, c'est sympa. Les caisses de munitions ne changent pas, toujours des caisses avec des balles dessus. Voilà, ça vous montrera que l'on peut avoir des munitions tout simplement.
Le jeu n'a pas eu de test officiel encore, bizarre. J'ai vu que la note moyenne des lecteurs sur JV.com, vous savez que c'est le site sur lequel je me renseigne parce que par défaut tout le monde y va. Roméo 1 Oui, en bon, mouvement c'est un sur peu le Cyber 2. site de la référence. J'ai vu que le test approximatif, enfin la moyenne approximative des lecteurs serait de lui donner un 17 sur 20. 17, je trouve quand même que ça fait une grosse note pour un Crysis C'était 3. Bon, Medium, vous savez que de toute tiens, façon, le tous les 7. jeux, plus ça avance, Ouais. ça c'est l'arc et ça va être génial. Qu'est-ce qu'il a déjà comme truc? Triangle, la puissance de l'arc. Puissance faible, puissance max, puissance modérée. Max, ok. Et les différents types de munitions. Donc, nous avons l'embout super thermite, charge électrique, explosion aérienne. Impact carbone. Ça va être bien sympa pour la force de pénétration. Pas de malentendu sur mes mots, s'il vous plaît. Le Roméo temps de le 1, nous tester. sommes en position Enfin bon, 30-34, parlez pour l'allumage donc thermique. voilà, je trouve que voilà, quand les jeux avancent, il faut vraiment que j'arrête avec cette nanovision, c'est vraiment dégueulasse. Autant, j'espère que je vais pas au moins me chier pour mon premier tir. Parfait, magnifique. Bon bref, continuons. Je lui donnerai plutôt un 15 ou un 16 parce que voilà, quand les jeux avancent, je trouve que des fois les suites sont pas très, sont pas top top. Enfin, c'est qu'un point de vue personnel. Enculé ce headshot, mon dieu. Je vais me cacher quand même pour reprendre de l'énergie. Vous voyez en bas la barre se remonte. Voilà, il utilise de l'énergie comme il utilise la force, le speed, etc. Et merde, je ne l'avais pas vu. Voilà. Donc je trouve que voilà, plus un jeu avance déjà que Crysis est un jeu avec un scénar fort sympathique bien entendu, mais assez dur à compliquer si on a zappé l'un des volets quand on doit y jouer. En fait, il suffit que vous n'ayez pas joué au 1 ou au 2 pour ne pas comprendre le 3, parce que franchement, pour le peu que j'ai fait, je me dis ok, ça raconte un petit peu ce qui s'est passé avant. Merde, putain, j'avais plus de balles. Mais là, enfin, voilà, c'est une histoire quand même assez complexe à connaître, à apprendre, à retenir. Mais bon, pour ceux qui aiment les jeux bien bourrins, FPS assez futuristes, avec un scénar quand même très lourd, et bah, c'est sympa, beaucoup de rebondissements, etc. Franchement, Crysis 3 est un jeu qui est fait pour vous, et moi je ne regrette pas du tout l'achat de ce jeu. Enfin voilà, je vous ai parlé de bon, la fameuse nanocombinaison, etc. Où est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Déjà, Roméo 1, qu'est-ce qu'il faudrait que Roméo je 2, fasse là? allumage, ok, terminé. Je fasse quoi? Ouais, bon, pas de contrôle. Ok. Ah oui, voilà, je voulais en parler complètement à part. Ça ne concerne pas du tout Crysis. C'est un petit message personnel à certains auditeurs. Bon voilà, je savais que j'avais fait une connerie dans une ancienne vidéo test en m'expliquant un point où vraiment je m'étais chié totalement. Je l'avais précisé, disant que je n'aime pas quand un jeu me plaît énormément lire beaucoup de choses dessus pour pouvoir le découvrir, ce qui me fait malheureusement pas trop parler du jeu en juste connaissance de cause. Donc voilà, j'avais dit beaucoup de conneries par rapport au jeu, mais je n'avais mis que des hypothèses. Et je sais que voilà, quand on fait une vidéo test, on se doit quand même de connaître un minimum le jeu pour pouvoir en parler. Assez sympa le piratage, voilà, je m'y arrête un peu, voilà, c'est une séance de QTE à faire. Enfin QTE, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre, j'ai plutôt l'habitude de dire moi des touches flash, ouais, bon, des vocabulaire bien français. Voilà, quand une touche vous est demandée, il faut vite la faire quand elle apparaît. Voilà. Enfin, il y aurait une pseudo-séance de touches flash et QTE. Pour pouvoir pirater, c'est sympa, c'est encore plus immersif, c'est cool. Et donc voilà, je faisais référence notamment à ma vidéo de Devil May Cry. Voilà, j'avais dit que ça pouvait être en fait une autre histoire du jeu, enfin que c'était un remake de l'histoire, mais en fait, voilà, pas du tout, c'est plutôt carrément, en fait, voilà, c'est un reboot. Tout simplement, ça je ne l'avais pas dit, voilà, j'avais dit que c'est ce qui se passait avant, or non, voilà, c'est une histoire racontée d'une autre manière et qui n'a jamais été fondée, qui n'existe pas. Oh psycho, mais oh tu sais combien ça coûte ces écrans, petite ablution. Enfin bon, bref. C'était un peu d'humour. C'était la touche humour de l'épisode. Enfin bref, donc voilà. Donc je tiens à m'excuser auprès de mes visionneurs pour
voilà, les insultes que j'aurais pu porter à Devil May Cry, parce que c'est une série que j'adore. Maintenant, je pourrais vous en parler de long en large et je compte bien me rattraper en expliquant mieux le jeu. Quand je ferai une vidéo test sur le DLC, je l'ai promis, je la ferai. Donc voilà, donc je salue notamment Tramalka et Stardust Dice qui m'avaient dit: mec, putain, on a l'habitude de regarder tes vidéos. Là, franchement, t'as pas géré, tu l'as bâclé ta vidéo. Les gars, je ne l'ai pas bâclé. Voilà, je ne fais que. Je n'ai rien cherché sur la vidéo. Enfin, pardon, sur le jeu. Donc, je ne pouvais émettre que des hypothèses. Et toutes mes hypothèses étaient complètement fausses. Enfin, voilà, j'ai raconté des mythos pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu. N'écoutez pas ce que j'ai dit, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Bon, voilà. Mais là, je ne vais pas en parler. Ce n'est pas sur ce. Point que je m'attarde. Là, j'ai juste envie de tester un nouveau carreau. Je viens de voir qu'il y avait un carreau qui explose. Oh putain! Oh, oui, c'est Gérard Majaxé. Gérard Majaxé, disparition, magicien, voilà. Je faisais le rapprochement. Et le carreau électrique, ça fait quoi ça? Oh, c'est cool! Putain, mais c'est stylé. Franchement, pour ceux qui adorent, voilà, les armes, toujours aussi bien. Enfin, bon. Bref, voilà, et voilà, pour clore ma parenthèse, voilà, excusez-moi encore pour cette vidéo de DMC que j'ai mal expliquée. Ça nous arrive à tous de faire des erreurs, moi le premier. J'ai à mon compte presque maintenant 100 vidéos test. Il m'arrive même encore avec peu, j'ai pas envie de dire que j'ai de l'expérience dans la vidéo test, je m'amuserai pas du tout à m'avantager à dire des éloges à mon sujet parce que ce n'est pas à moi d'en prononcer et puis. Moi personnellement, je ne m'en trouve pas, je ne fais que ça pour le plaisir, comme je vous ai dit. Je fais que de la vidéo test manière de vous montrer le jeu, de vous le faire apprécier. Voilà, je ne fais que ça pour vous faire aimer le jeu, justement. Je suis en train de me faire dégommer la gueule, j'ai presque crevé. Faut que j'arrête avec la nanovision, putain, c'est instinctif. Donc voilà. Bref, excusez-moi les gars que j'ai cités, ceux qui ont vu la vidéo et qui connaissent bien la série. Voilà, bref, revenons donc à Crysis 3. Putain, merde, j'aurais pu la pirater de loin. Putain, je suis en train de me faire défoncer, je vais crever! Ah oui, c'est vrai, il y a le slide. Quand on court et qu'on fait rond, il y a le slide. Attendez. C'est stylé. Putain, oh, mais je suis en train de jouer avec la vie de prophète, le pauvre. Il va trouver déjà qu'il n'en a plus pour longtemps parce qu'on sait que dans le 2, il crève en laissant sa combinaison au soldat Alcatraz. Enfin, bon. Bref, après cette brève parenthèse, ça, il s'agit justement de la nano-combinaison, on dirait Psycho, sur la photo, de cette fameuse nano-combinaison qui nous offre tous ces pouvoirs surhumains dont on est doté. Ce qui est un petit peu chiant, voilà, ce sont les différents points de sauvegarde, les pseudo-checkpoints, voilà, beaucoup d'attentes avant que l'ouverture des portes ne se fasse. Le féral furtif, qu'est-ce que c'est? Il n'y a qu'une lunette. Bon, je vais le garder. Je sais pas ce qu'il fait. 50 balles. Donc voilà, vous voyez. La nano, je l'ai avec la flèche du haut. La flèche du bas, j'ai l'arc. Et à gauche, c'est l'électricité, ça. Continue d'avancer, on se retrouve plus loin. Mais ça change pas quand j'appuie sur la touche gauche. Ça tire des trucs électriques. C'est bizarre, hein. Tiens, bouge-toi, ça. Voilà. Enfin, donc comme je vous ai dit, voilà, c'est un jeu assez bourrin d'ailleurs, tout ça, toutes les intros l'ont montré, vous voyez, enfin, c'est vraiment le mec que personne ne peut arrêter, qui s'est vraiment décalqué. Oh putain, mais ça électrocute vraiment. Oh, elle est trop stylée cette arme. Oh, c'est génial. Putain, non, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est vraiment un jeu qui vraiment est assez bien, assez sympa, bien à sa façon. Vous voyez la mini-carte en bas à gauche, votre tour de menace à droite, quand c'est rouge c'est pas bon, oh, comme par hasard. Dans la mini-carte, le point... Attendez, je vais juste le tuer. Il y en avait un autre là. Merde, eh bon frère. Ouais, et donc... attendez, j'avais cru voir un fusil à pompe par terre. J'ai vu un fusil à pompe, non. Un fusil... Oui, qu'est-ce que tu as à me proposer mon coco? J'adore changer les trucs. Putain, tout ce qu'il a, c'est abusé. Voilà, bon, là, ouais, non, je vais garder la simple lunette. Bon, pas de silencieux sur un pompe quand même. Et des munitions, je n'en ai pas d'autres. Donc, comme je vous ai dit, après, oui, vous avez un point bleu sur la carte. Donc, ça vous indique absolument où il faut aller. Donc, Crysis 3, voilà, c'est un petit brin de facilité en plus. Je passe à la zone suivante. Donc, voilà, vous ne pouvez pas vous perdre. Garçon.
ceux qui n'aiment pas les jeux trop casse-tête. Attention. Oh, je m'attendais à plus de puissance de la part de mon pompe quand même. Ouais, bon, je vais reprendre mon truc d'arc électrique. J'adore ça. En plus, tu peux faire un one shot one kill là, du coup, vu que ça les électrocute d'un coup. C'est génial ça. Ça va me permettre de les niquer de loin. Oh là là. C'est génial. Franchement, j'adore. C'est un jeu que j'aime bien, donc voilà, comme je vous ai dit, en parlant de que j'aime bien, je sais plus si je vous l'ai dit. Si je vous ai dit que la note approximative était d'un 17. Oui, je sais même plus si je vous ai dit. Bon, peut-être, si je le répète, désolé. J'ai la visée automatique ou quoi? Ça l'a visée de suite. Bizarre. Ouais, donc voilà, moi je lui mettrais un 15-16. Je sais pas si je vous avais dit la note que moi je pourrais éventualité de lui mettre. Voilà, parce que tout simplement, ben, voilà, plus il y a de séries dans un jeu, moi je trouve que ça arrive à suivre. Ça, voilà, ça je sais que je vous l'ai dit, je m'en rappelle plus si vous avez dit la note que moi personnellement je lui mets. Voilà, un 15 ou un 16, mais un bon 15 ou 16, hein, pas le petit 15 de PD quoi, un bon 15, bien, voilà. C'est une question, je peux être con des fois. Donc enfin voilà. L'arc, bon, ce sera, je pense, pour la plupart des gens, l'arme que tout le monde va vouloir utiliser parce que c'est généralement avec l'arc que vous tuez en un coup. Et si vous êtes à la recherche d'une pseudo-efficacité, eh bien, attendez-vous à tirer, à décocher du carreau parce que ça fait mouche à chaque fois, comme vous pouvez le voir. Voilà, pour ce qui est de la vidéo, je compte, voilà, comme il s'agit de la première mission, m'arrêter. Merde, j'avais oublié qu'il y avait une tour d'ici. Voilà, il fallait la pirater. C'est impossible, je peux pas la voir et elle me tire dessus. Ah non, oui, voilà, fallait passer par la porte là-bas. Oui. Donc je compte faire la vidéo uniquement sur la première mission du jeu pour vous montrer à peu près. Ça vous montre déjà les 2-3 facettes du jeu, qui sont assez fort sympathiques, franchement, pour le premier coup d'œil. Mais bon, après, comme je vous dis à chaque fois, il ne tient qu'à vous d'avoir votre propre avis sur le jeu. Je ne suis là que pour vous le présenter. Top Psycho, mon gars, ça fait 3 fois que... Ouais, j'avais cru qu'on m'avait tiré dessus. Les balles auraient traversé la porte. Bizarre. Ouais, je disais, Psycho, ça fait 3 fois que je te vois, j'ai failli te tirer dessus à chaque fois. Enfin, bon... et là, ben voilà, j'arrive justement à la fin de la première mission. Donc voilà, c'était pour vous présenter ben, la toute première mission, déjà assez mouvementée de Crysis 3. Le tout dernier jeu de Crytek qui est sorti aujourd'hui, parce que je fais la vidéo aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, le temps qu'elle se synchronise et que ça met du temps, vous savez, pour ceux qui font des vidéos tests et ceux qui ont par exemple un HDP VR sans faire de la vidéo, moi c'est avec ça que je prends mes vidéos, le temps que ça s'encode, je me ressors avec des vidéos de je ne sais combien de gigas, la synchronisation est méga longue, alors ou des fois je les convertis en AVI pour baisser le format de la vidéo, bon, pas baisser la qualité, mais qu'il y ait moins de gigas, je perds au moins facile 1 giga chaque fois que je convertis, c'est beaucoup plus rapide à mettre. Mais voilà, le temps qu'elle va passer sur YouTube à se synchroniser, vous l'aurez forcément le vendredi. Je suis encore navré d'avoir eu un retard tel. Voilà, excusez-moi de nouveau. Je continuerai bien sûr mon... Putain, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, c'est abusé. On dirait The Last of Us un peu avec la Terre hein, complètement décalquée. Ah oui, voilà, mais c'est vrai, Prophète était malade déjà, il commence à avoir les... Une signature assez bizarre. Donc voilà, il est super bon. Bref, donc voilà, mais écoutez, je vais vous laisser sur une magnifique vue du jeu qui est moins belle d'un coup là, avec ce mec à gauche. Enfin bref. Donc voilà, mais écoutez, c'était une vidéo de Crysis 3, une brève, pour vous montrer de quoi le petit jeu était capable. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, je continuerai mes vidéos sur le let's play de Crash Bandicoot. Et sur ce, je vous dis à ciao tout le monde, portez-vous bien, à la prochaine. Pendant que tu cabalais après ton fantôme de super alien, le sel a conquis le monde.